Bonjour, mon nom est Jacques Goldstein, je suis illustrateur et j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle « Le dragon vert » qui raconte l'enfance de Van. Je vais vous lire le chapitre qui s'intitule « Maudite guerre ». Les images de son passé étaient encore vives dans l'esprit de Van. Il se souvenait de tout avec précision. Une grosse boule se forma dans sa gorge quand il commença à raconter son histoire. Mon village avait été épargné jusque-là car nous habitions loin des zones de guerre. Cela a changé quand la Chine a attaqué le nord du Vietnam. Le gouvernement s'est alors vengé sur les communautés comme la nôtre. Nous étions devenus des indésirables. En réalité, c'était un prétexte pour s'emparer de nos terres et de nos biens. Un soir, il a fallu fuir en catastrophe pour ne pas être jeté en prison. Mais c'est terrible, se désola Kim. Vous avez tout perdu? Des gens armés venaient nous insulter devant notre maison. Ils menaçaient même de nous tuer si nous ne partions pas assez vite. Le plus dur était de voir que des voisins et des gens que nous avions cru être des amis depuis toujours nous tournaient le dos. Mais comment des amis peuvent faire une chose pareille? Demanda Robert, complètement abasourdi. Les amis n'existent plus quand tu vis un tel cauchemar. Ils sont entraînés par la foule. Bien sûr, il y en avait qui n'approuvaient pas cela, mais ils ne pouvaient rien dire de peur de se faire attaquer eux aussi. Alors ils se taisaient et se cachaient. Van fit une pause dans son récit. Lui, qui n'avait jamais été un grand bavard, racontait son histoire pour la première fois. Ses amis l'écoutaient attentivement. J'ai aidé Daido à charger les outils dans un tuk-tuk. On nous a escortés jusqu'au port. C'était le chaos. Il faisait nuit. La foule nous criait après et nous lançait des projectiles. Les soldats nous rudoyaient. Pendant le trajet, nous nous sommes blottis les uns contre les autres. Daido nous murmura sans cesse « Ne les regardez pas, baissez les yeux, ne les regardez pas. » Mes parents ont donné beaucoup d'argent à des passeurs pour quitter le pays. « Dans quelles conditions avez-vous voyagé ?» m'interrogea Kim, inquiète. « Nous étions sur un vieux bateau qui tanguait et craquait de partout. Le moteur faisait un bruit d'enfer, et la cale, remplie de barils vides, sentait le poisson, le mazout et le vomi. » Kim et Robert n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais soupçonné que leur ami avait vécu une telle épreuve.